était à la fois gardien des traditions et figure politique. Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombonjoya, 19e roi de la dynastie Chahriya, savait manier l'art du compromis. Alors qu'il est désormais plongé dans le sommeil éternel de la mort, il garde encore intact une grande audience au Cameroun et au-delà. De son vivant, il a su marquer son époque par sa franchise, ses idées et ses actes, dont entre autres le Ngwon réhabilité, le Saint-Coran traduit en langue bamoun et une attraction devenue incontournable en Fumban, le musée des rois porte son empreinte. Sa riche carrière gouvernementale, administrative et diplomatique a contribué à bâtir sa forte personnalité. C'est à cet homme d'État et de culture que le magazine Légende rend hommage. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans ce numéro de votre magazine Légende, nous allons vous faire revivre les moments forts des obsèques de Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombonjoya. Nous irons à Simalène vivre l'ambiance de l'arrivée du corps avec notre reporter Mélène Kamla. Alors que l'itinéraire Yaoundé Fumban, nos caméras tenues de main de maître par Jonas Mefireux et Abdel Nasser, nous ferons revivre toutes les escales. Mohamed Nana reviendra sur que la cérémonie officielle, c'était un samedi 9 octobre 2021. Daoud Moulium et Laetitia Etegol reviendront sur la cérémonie de présentation du nouveau monarque. J'ai nommé Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoum Bombonjoya. C'était un dimanche 10 octobre 2021. Juste vers la fin de ce magazine Légende, trois illustres fils du Noun, notamment Jipo Chintou Issa, chef de la communauté bamoun du fond de ses environs, le ministre Njoya Zakaria Wu et petit enfant Jiap Abdo, croiseront leur regard sur Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya. Mais avant qu'on y arrive, notre reporter Neston Kamga nous retrace le riche parcours de Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya, la légende. Le 27 septembre 2021, la consternation est générale, l'émotion est intense et des torrents de larmes sont déversés par un peuple stupéfait. Ibrahim Bombonjoya, le sultan roi des Bamoun, vient de tirer sa révérence à l'âge de 84 ans, au bout d'une vie bien remplie, justifiée par une trajectoire exceptionnelle. Civil de formation, le jeune prince entame sa carrière professionnelle au lendemain de l'indépendance du Cameroun. Sa carrière administrative n'a dès lors été qu'une éternelle ascension. Ses premières responsabilités lui permettront d'occuper tour à tour les fonctions de chef de cabinet du secrétariat d'État chargé de l'information et de directeur de cabinet du ministre des Forces armées entre 1960 et 1961. Après cette expérience, il gagnera en notoriété et se verra ainsi confier les portefeuilles ministériels. Ibrahim Bombonjoya sera alors ministre des Postes et Télécommunications, ministre de l'Information et de la Culture et ministre de l'Administration Territoriale. Il occupera à deux reprises le fauteuil de ministre de la Jeunesse et des Sports, la première fois entre 1983 et 1986 et la seconde fois de 1990 à 1992. Mais bien avant, il aura eu le privilège d'assurer l'intérim du premier ministre en 1991. Du royaume,
Ces expériences acquises au sein de la haute administration ont été ponctuées par une dizaine d'années dans les arcanes de la diplomatie, notamment avec des postes d'ambassadeurs du Cameroun en République de Guinée équatoriale et d'ambassadeur du Cameroun en République arabe d'Égypte. Sénateur depuis l'année 2013, Ibrahim Bombo-Djoya était aussi membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pendant qu'il officiait encore comme ministre chargé des relations avec les assemblées d'avril à novembre 1992, il sera intronisé 19e roi de la dynastie Bamoun. Il avait dû quitter ses fonctions ministérielles avant d'assumer la responsabilité de roi de cette importante chefferie traditionnelle, l'une des plus anciennes et puissantes du pays. Il n'a finalement pas perdu au change, tant son règne a été long, quasiment 30 ans. Cela lui a permis de s'établir comme une personnalité traditionnelle, morale et politique de premier plan au Cameroun. Il régnait sur une population de près de 2 millions d'âmes. Ibrahim Bombo-Djoya est né en octobre 1937 à Fumban, commune située dans la région de l'Ouest Cameroun. La nouvelle est tombée comme un coup perdu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2021. Sa Majesté Ibrahim Bombo-Djoya quittait la terre des vivants en France, loin du Cameroun, berceau de nos ancêtres qu'il avait tant aimé et chéri. Un départ qui mettait ainsi un terme à 29 ans de règne. Le corps a été accueilli à l'aéroport international Yaoundé-Simalin. C'était un jeudi 7 octobre 2021. Revivons le moment fort de l'arrivée du corps du sultan à Simalin avec notre reporter Merlin Kamla. La légende royale du peuple Bamoun a entamé son voyage vers l'éternité depuis la nuit du 26 au 27 septembre 2021, date de son décès des suites de maladie à l'hôpital américain de Paris. Ibrahim Bombo-Djoya retourne au Cameroun ce 7 octobre. Un trône de circonstance est bâti à la hauteur de l'illustre disparu. Pour le porter, c'est notable. À côté, les fils et veuves. La nouvelle de la mort du monarque, comme une traînée de poutre, est parvenue à tous les fils et filles Bamoun, d'ici et d'ailleurs. Quelques milliers ont fait le déplacement pour accueillir la dépouille mortuaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin. Dans le rang des attristés, le directeur du cabinet civil, représentant le président de la République, la famille politique, les membres du gouvernement, amis, élus du peuple, chefs traditionnels, anciens collègues et collaborateurs du défunt, tous portent le masque de la douleur, au même titre que la famille nucléaire. Le parfum de la tristesse a atteint ces sujets, obligés de rester à l'extérieur pour contenir leurs émotions. La police travaille avec passion. Dans la salle des arrivées internes de l'aéroport, trois offices religieux vont ponctuer cet hommage. D'abord, la messe catholique, dite par le père Marie Parfait Fifen de la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel. Nous avons vu un peu en lui quelqu'un qui aime. Lorsque le 25 décembre, il partage l'Eucharistie catholique à l'église Sainte-Catherine de Fumban avec vos frères et sœurs. C'est une marque, c'est un signe d'amour. Lorsque le 25 décembre, il est au temple d'Abbassier avec vos frères protestants, c'est un signe d'amour. Et lorsque le jour de la fête de Ramadan,
il est avec nos frères musulmans. Et c'est pourquoi moi aussi, je crois que Dieu est dans les cœurs de tous les hommes. Dieu ne se dit pas, Dieu se vit. Aucun musulman ne peut dire le contraire. Lorsque je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil alamin, oui, nous nous comprenons. Et Alhamdulillah ibn Ash-Shaitani Rahim, oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite à conjuguer un seul verbe, le verbe aimer. Ensuite, le culte protestant. Excellences, mesdames et messieurs, peuple de Dieu ici rassemblé, à vous tous qui êtes partis de près ou de loin pour accueillir ce grand homme, le sultan roi de Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Djouya. La prière musulmane est conduite par l'imam de la mosquée centrale de Yaoundé 2, Briqueterri. L'homme de Dieu a fait des prières pour confier à Allah le repos éternel du défunt. Et notre sultan avait compris. Il avait compris qu'il n'est pas sur terre pour vivre à vie dans la vie. Pour ceux qui l'ont côtoyé de près, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux-là qui ont souvent passé ses discours et ses interventions sur ce qu'elle est, il disait toujours. Je ne suis pas en train de forger quelque chose sur ce qu'il disait. Vous pouvez le remonter ces différents discours.